Hello tout le monde, c'est Vanille. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai acheté un petit pack chez Lèche. Enfin, c'est un pack, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est un pack, on va dire que c'est un pack. Ta ta ta, ça rentre pas dans le cadre. Ça rentre absolument pas dans le cadre, vous êtes en train de voir tout ça là. Donc voilà, j'ai acheté ce petit truc parce qu'encore une fois, c'est toujours en promotion dans mon magasin. Voilà, donc bah j'en ai profité. Il y a plein de flèches en promotion en ce moment dans le magasin, donc chaque semaine je reviens avec des nouveaux flèches. Et cette semaine donc ça a été lui. Et donc voilà. Alors là c'est déjà ouvert parce que je voulais juste vérifier qu'il y avait bien tout. Et il y a bien tout dedans. Mais j'ai pas regardé plus en détail que ça. Alors au lieu de parler, on va ouvrir tout ça. Hop. Hop hop. Oh mon dieu, on voit le réalisme là. Oh là là, le réalisme arrive, attention. Oh la couverture, j'aime beaucoup cette couverture. Enfin, bah, je ferai les commentaires tout ça plus tard. Un petit cheval. Je le montre en dernier le cheval, franchement. Vous allez attendre. Un petit toit. Et c'est tout, il me semble. Ah non, il reste ça. Voilà. Oh, il m'a dit qu'elle a mon décor là, il se suicide. Bien sûr, mais tu te suicides pas. Alors, nous avons un paquet. Deux paquets. Trois paquets. Quatre paquets. Et nous avons un cinquième et c'est le cheval, mais je vous le montrerai à la fin. Donc je vais monter tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vous montre ça. Enfin, je vous rejoins après. Hein, voilà. Il n'y avait pas un truc qui explique comment ça se monte ce bordel. Ah ouais, ils expliquent. Et il n'y a pas des autos. Ça, je garde ça pour la fin parce que c'est magnifique. Oh, c'est trop compliqué. Déjà, je peux pas me juger. J'ai tout fait comme une grande toute seule là. Ah, il a mon doigt. Oh mon dieu. Le toit de fou fifou. Et j'arrive pas à ouvrir le. Ah, ça y est. Bien, j'ai pas dit quoi. Moi pas ça. Super. Le mauvais endroit. Hop. On va mettre le petit manger ici. Voilà, on peut le mettre ici, ouais. On peut le mettre là-bas, on va le mettre ici alors en fait. Il est flou, tu les mets tout, t'es flou là. Donc j'ai fini le montage du box. Ça a été un peu compliqué au début parce que je lisais pas la notice du tout. Mais voilà. Alors, attendez, hop, là c'est qui va traîner ici. Alors donc ce box il est constitué d'une porte, de séparation et d'un fond juste ici. La porte s'ouvre, la porte se ferme. Ça. Enfin, ouais, bon, c'est un peu bizarre le mec. Regardez, là quand je l'ouvre, enfin quand je la ferme, ce qui fait juste, c'est une petite pression et c'est ouvert. Avec ça, j'ai eu deux petits flots, donc qui étaient accrochés juste ici. Le toit se retire. Voilà, si je veux retirer le toit, je peux le retirer et le mettre ailleurs. Mais bon, je vois pas trop à quoi ça me servirait. C'est quand même censé être un box. Ensuite, de l'intérieur, juste ici, nous avons une mangeoire où on peut y mettre les pommes que nous recevons avec. Nous avons un petit abreuvoir juste ici. Donc bien évidemment, les breuvoirs chez, je crois que c'est le truc le pas du tout réaliste. Genre, cet abreuvoir est vraiment dégueulasse. Quand on voit, voilà, je vais montrer bien. Voilà, pas. Donc voilà, vous avez l'abreuvoir ici, un mangeoir ici et celle-là. Bon, ça fait vraiment très enfantin, hein, ça on va pas se le cacher, ça fait pas extrêmement réaliste, donc c'est vrai que si je veux faire des mises en scène avec ça, ça va être plutôt galère. Mais bon, voilà, voilà. Ensuite, nous avons une couverture. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, après, ça reste une couverture normale, schlèche. Hein. Et nous avons aussi un licol, c'est pareil, j'aime beaucoup la couleur de ce licol. Mais voilà, c'est un licol schlèche, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Voilà. Il est donc violet, plutôt pétant le violet d'ailleurs. Et donc la jument de ce set est donc juste ici. Voilà. La jument de ce set, c'est donc cette jument. Donc je vais retirer ça.
Bon, ils sont pas fait chier pour le carton, hein. Ils ont mis plein de petits bouts là. Alors, donc c'est une jument lusitanienne, comme ça elle va faire. J'ai la jument. Elle a la jambe. Regardez-moi comment elle est tordue. Elle avait du carton entre les jambes, hein. Ah, donc elle a un super problème d'aplomb, là, juste là. Nickel. On sent ma joie là. Ça me saoule. Regardez-moi ce problème. Elle a un magnifique problème d'aplomb alors qu'elle avait du carton entre les jambes et tout. Donc ouais, il va falloir que j'arrive à essayer de... Il va falloir que je tente de redresser ça parce que là, le problème, elle a un bon problème d'aplomb. Sinon, la jument en elle-même. Alors ça, on va retirer le problème d'aplomb parce que je pense que tout le monde ne l'aura pas, j'espère. J'aime bien sa tête. J'aime beaucoup sa tête. Je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Ça va bien avec la natte, même si bon, il y a beaucoup de nattes partout maintenant, mais bon, je m'adapte. Elle a une plutôt belle natte. Par contre, je sais pas trop quelle couleur c'est comme cheval, hein, parce que la crinière alezane, enfin alezane, voilà. Enfin, j'espère que vous me comprenez là-dessus, parce que moi, j'ai du mal à me comprendre. Mais elle est blanche avec une crinière 100 fois plus foncée, donc bon, je me risquerais à dire perlino, mais enfin voilà, c'est en couleur, je sais pas trop. De cet angle-là, c'est peut-être pas le meilleur angle de chez elle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de crinière. Moi j'aime pas trop quand il n'y a pas de crinière. Mais elle est vraiment belle sous certains angles. Elle a une tête très mignonne. Bon, on va pas parler des nuances parce qu'elle n'existe pas, hein, mais bon. J'essaie de voir des nuances, mais il n'y en a pas. Donc c'est une 2017, c'est une Madine Romania. J'ai quelques Madine Romania d'ailleurs, j'en avais pas avant. Bon, c'est une Madine Romania, ah si on le voit là que c'est écrit. Donc c'est une Madine Romania. En peinture, ça passe encore. Disons qu'il y a des fois ça a été beaucoup, c'était totalement raté. Après il me semble qu'elle est censée être à l'arrêt, malgré son petit problème d'aplomb, hein. Voilà, ça change pas sa position. Et donc voilà. Donc voilà, voilà. Il y a également des autocollants qui sont à coller ici, de l'autre côté, ici et ici. Mais personnellement, je suis pas sûre de coller ça partout parce que après, déjà, le réalisme, il va y en avoir encore moins si je commence à coller tout ça. Donc je verrai si je collerai des trucs ou pas dessus. Mais disons qu'il y a des trucs, voilà, le réalisme est déjà très présent. Si je colle ça, ça le sera encore moins. Donc voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques indications sur ce set, si vous, par exemple, vous hésitiez à l'acheter ou pas. La jument en elle-même est plutôt belle. Bon, moi j'ai un problème d'aplomb, mais j'espère que c'est pas chez tout le monde, ce serait bête. Elle a une robe berlino encore, mais je ne suis pas sûre du tout. Et c'est donc... voilà, la jument en elle-même est très belle. Enfin, très belle. Je la trouve plutôt belle. L'équipement, le licol et la couverture sont plutôt beaux. J'aime bien cet équipement de couverture et de licol. Le box n'est pas réaliste, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste chez Schlesch. Vous pouvez trouver mieux, il me semble. Il y a quelques accessoires qui vont avec, comme des petits flots, voilà. Si vous voulez, vous pouvez les accrocher juste ici sur le licol, mais je trouve pas ça non plus très réaliste. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment gros. C'est vrai qu'un flot c'est gros, mais disons que le flot en lui-même je trouve pas très réaliste. Donc le box est composé aussi d'une mangeoire et d'un abreuvoir, et vous avez aussi des petites pommes avec pour mettre dans votre mangeoire, parce qu'un cheval mange beaucoup de pommes en effet. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.